L'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, a été autorisé à quitter son pays pour des examens médicaux pour une période d'un mois. La date de son départ n'a toutefois pas été précisée, mais du côté de ses partisans, cette décision a été accueillie avec joie et satisfaction. Alpha Condé a été détenu au secret pendant 12 semaines jusqu'à ce qu'il soit autorisé à résider chez son épouse dans la banlieue de Conakry. La CEDEAO avait fait de sa libération son cheval de bataille, allant jusqu'à sanctionner les membres de la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Le comité national du rassemblement pour le développement qui a pris la direction du pays après le putsch s'est engagé à offrir un traitement digne de son rang à l'ancien chef de l'État sans aucune pression nationale et internationale. Selon les nouveaux maîtres du pouvoir, Alpha Condé est et demeurera en Guinée.